Jeudi, c'est mercredi, c'est 29 novembre 2017. Nous rejoignons avec un peu de plaisir, amis auditeurs, pour nous porter pour Louis Paul à la Ronde des Provinces. C'est troisième sortie pour semaine ça. Nous souhaitons écouter passer une très bonne nuit et matin, hein, déjà, une journée qui démarrait. Et ceci, dans le sens positif, nous souhaitons une bonne journée à chaque auditeur et auditrice. Julien Virgile a fait manœuvre technique, on a mis quoi, c'est Tom Dumont, Radio AC Signal FM. Ou branchez le sous 90.5 en stéréo, www.signalfmhaïti.com. Ensemble, station affiliée à travers les villes de province. Au niveau des 10 départements géographiques d'Haïti, nous avons démarré dans Fort Liberté. Eddy Michel, bonjour. Bonjour Eddy Michel. Bonjour Tom, et tout le monde qui a suivi ici à l'FM, les fans saluent, parce que et c'est là-haut qu'il y a le département nord-est, un peu particulièrement le monde nord-est qui a vécu à l'étranger, qui toujours fait une part de Koutio, à travers la rubrique la ronde des provinces. Matin, le département nord-est réveille sans trop de problèmes, côté toute activité a fait marcher. Et pour aujourd'hui, hein, et d'après appeler, et jeudi, c'est 29 novembre 2017, 29 novembre 1803, et ça a rappelé Moun for Liberté et disposition que héros indépendance sur tes points pour être capable de rédiger acte indépendance non, ici à Fort Liberté, côté matin, mercredi, ça. C'est un jour qui déclarait congé suite avec un arrêté que la mairie de Fort Liberté l'y prend et côté que il y a fait que 28 et puis 29 novembre consacré avec un jour de congé pour capable commémorer rédaction à indépendance là, ici à Fort Liberté. Dans ce sens-là, il y a une pléiade d'activités qui déjà et mettez sous pied pour capable marquer date ça aujourd'hui à côté pas gagne aucune activité au niveau de Fort Liberté sinon que activité qui liée avec circonstances là si n'a prend par exemple gagne un groupe qui relait Promo Créole qui organisait une foire artisanale au niveau de Fort Saint-Joseph là même côté monde sorti tout partout à le visiter fort en occasion ça il y a des monde qui profitaient pour aller acheter c'est vraiment et Tom Dumont son situation de fait qui régnait au niveau de Fort Liberté hier soir, pendant toute nuit là, activité, tout le monde mettait tête yo, c'est en direction de Fort Saint-Joseph, pour le monde qui connaît ville, Fort Liberté bien, son véritable rendez-vous, côté des monde qui descendent, des monde qui profitent à l'acheter, comme ça tout, des monde qui profitent pour albéen au niveau de l'Ambersa, parce que ils profitent pour capable explorer Bessa qui gagne au niveau de et Fort Saint-Joseph. Programmation, comment lié pour aujourd'hui, il y a une messe action de grâce qui pourra le célébrer au niveau de cathédrale Saint-Joseph Fort Liberté. Et c'est Monseigneur Kenel Alphonse, lui-même même en personne, qui a gagné pour capable célébrer Messa. En fait, pour activité ça, et qui a commencé à célébrer dans Fort Liberté depuis l'année 2008, surtout avec ancien Premier ministre Jacques-Édouard Alexis, qui était marqué et fait ça, quand il était venu et était présent, il y a une grosse activité qui était faite dans l'occasion pour te démarrer, parce que il y a une association qui est ADFE, qui regroupe ensemble des citoyens et des citoyennes qui vivent à l'étranger, qui c'est Moun for Liberté, côté qui ont été découvert à ça, à Philadelphie, aux États-Unis, et depuis les ça, ils ont consacré le 29 novembre comme jour, et si ont considéré Gonaïve comme lieu, côté que ils ont été proclamés à l'indépendance, ils ont considéré Fort Liberté comme berceau de l'indépendance. Il y a une grosse bataille qui a continué faite pour que, date 29 novembre, l'y rentrer, d'après ça, tout historien, pays à connaît, Georges Michel, Michel Souka, Wesley Emmanuel, Carlos Docteur, ils ont tous reconnaissent que il y a une bataille, ça, il doit continuer pour que, véritablement, date 29 novembre, l'y entrer dans l'anal, histoire pays d'Haïti, que Fort Liberté jouer un rôle charnière dans l'histoire indépendance du pays d'Haïti. Donc, c'est comme ça, je dis ailleurs, toute activité, on chômait complètement ici, Fort Liberté, pour capable marquer date 29 novembre, ça, et à soi, après, il y a une grosse activité toujours au niveau de Fort Liberté. Métropole du Nord-Est, c'est dit Michel, Signal FM. Merci, merci Eddy Michel. Département du Nord-Est, Fort Liberté, n'a pas traversé là, dans le plateau central. Alors, 29 novembre, n'a pas seulement marqué date de rédaction de l'acte de l'indépendance haïtienne. 29 novembre, dans tout, c'est massacre cruel vaillant. Hein? On traversé dans le plateau central. Bonjour Fleur à Josué. Bonjour Anol, un gros bonjour pour toutes fidèles auditeurs. Fleura. Oui, allô Anol. Tom Dumont. Oui, bonjour Tom Dumont, bon retour. Gros bonjour pour toutes fidèles auditeurs radio, si à l'FM qui a coûté le matin. Des mouns mourir, des mouns blessés graves. C'est bilan un accident qui produit hier à 5h20 après-midi dans la localité Sapatin, banlieue Ville-Inche.
Yon motocyclette qui était poté quatre moun, li croisé avec yon pick-up double cabine qui était poté planche. Sortant de là, pick-up la raboté moun yon voué là, des moun sa pas 30 ans pour mourir. Cependant, yon moun qui était sous motocyclette là, et qui blessé, qui tape à l'hôpital, en coûté comment t'as répondre question radio signal FM. Oui, Donald, un accident. Et, ou que ce moto pas accident? Comment accident? Oui, quand on a venu dans cette piche, on a le bal contre la machine, si on prend sur la machine, on a la machine, la machine, la machine, il passe en bord, il a eu quelque chose à la moussa, il a eu une autre. Ok. Il a eu une autre. Nous, on a eu ce moto? Non, nous, on a eu 54. Moto, qu'est-ce que ce moto? Oui, 54. En 4 ans, le moto a disposé? Oui. Mais où est-ce que le moto a disposé? Il chauffe avec le frein. Comment faut l'arrêter? Ça n'est pas le Florestal. Oui, le Florestal. On va prendre l'autre maintenant. L'autre, il s'est mouillé. Non, pas qu'on a dit non. C'est où je nous désocie, qui quoi? Monsieur, je ne vais pas être en bateau. Et qui quoi t'envoie à Bila? On s'est venu aussi. Et où va Bila? À Renatep. Et machine qui va aller nous regarder là. Et côté chauffeur ça? Machine là, les chauffeurs là. Nous pas qu'on est chauffeur. Ça ne va pas qu'on est chauffeur. Ok, ok. Quand il y a des constats, en fait? Oui. Est-ce que tu après constat, c'est judiciaire. Police, il était autorisé, famille Moyo, levé pour capable de faire funérailles, tandis que il rapatrié motocyclette là dans le commissariat Echelon pour suite légale. Et important pour nous souligner, pendant moi, nous vamos ça, il y a plus passé 10 personnes qui mourent dans le plateau central là avec accident motocyclette. Les bon pour que les gens qui conduit moto prennent pile précaution. Parce que la vie, c'est un bagage qui est très sacré. Mon cap conduit motocyclette, yo a misé yo, nan pote 4 à 5 moun son motocyclette, tandis que yon bagage, police nationale a interdit. Ville H, Fleura Josué, signal FM. Merci Fleura Josué, correspondant permanent, signal. Nan, Ville H, chef lieu département du centre, et puisque nous avons plateau, nous profiter de l'occasion pour nous saluer auditeurs et auditrices qui branchent Radio Super Continental nan H. Gagnon Mag Horizon nan Sodo et puis gagnon Panique FM nan Mirbalet, c'est chef lieu bas plateau central là. Alors nous avons salué monde qui branché dans Lasca au bas ça qui dans Belader et San Pablier monde Maïsad ça dans tout monde dans commune Thomasique également gagnon et à côté de commune Thomasique et gagnon et gagnant Lasca au bas c'est à Kakavahal. Bon nous a pu regarder là puisque nous t'es sorti tout à l'heure dans Fort Liberté chef le département comment et wana métier et bon ça fait longtemps ça nous pas font petit parler avec Bada sous frontière là comment ça y est matin bon c'est mercredi c'est 3e jour dans semaine là comme activité nous connaît à Lévini qui gagne sous frontière là c'est à travers wana met Bada comment nous est Bonjour Tom Dumont et fidèle auditeur Radio Power. Je signale. Bonjour tout le monde. Comment est-ce Tom? Bon, on a Kembe. Et tout petit, nous ne pouvons pas faire un petit peu. Nous avons pu rouler sur 15 jours comme ça. Nous ne pouvons pas parler. Comment ça y est dans le frontière là? Il faut faire compter les yo et tuer les yo et bloquer toutes les rentrées principales d'Abon. C'est-à-dire, lorsque d'Abon ou à Haïti, l'on oui qui est le cahier Ancha, il prend tout tuer les yo, il ferme le passage là. Il va même quitter côté pour une motocyclette capable de passer. Les nous dérivés dans la zone, nous avons des sacs passés. Ils ont dit que c'est parce que tu es là qui sorti en République Dominicaine, qui prend les caracoles. Ils ont les rivés dans la douane dominicaine. Ils ont fouillé, ils ont ouvert le cadenas, ils ont retiré boîte par boîte, puis ils ont gardé ça au côté. Alors que tu es là, même qui sorti en dedans, côté de vie, qui prend aller Santiago, Santo Domingo, n'importe côté, ils ont pas fouillé. Yo besoin connait pour qui ça gagne différence ça entre tuile qui pour aller caracol avec tuile qui sont en dedans pour des vies. Bon gagne quelqu'un qui fait ouais c'est pas même bagaille parce que code vie sont notre réalité les tuile en train dans en dedans pour des vies en dedans pour des vies gagne douane dominicaine gagne douane haïtienne gagne immigration gagne tout bagaille mais les tuile a sorti Santiago ou bien Manzani ou bien Santo Domingo il pour aller caracol et c'est tout normal qu'il travaille pour un petit check là dedans parce que la rentrée sont l'autre territoire. Et puis ça te font bon temps, personne ne va traverser, consul qui dit en Haïti, pas qu'à traverser, consul qui dit en République Dominicaine, pas qu'entre en Haïti, journaliste pas qu'à traverser, c'est à pied. Et finalement, après, en pile entente, ils te promettent, ils ne peuvent pas réviser
tué les saillants encore. Donc ils ont tué les capsotis et Santiago, Manzani, Santo Domingo, Capal Caracolio. Ils ont dit pas pour y viser encore. Après ça, ils ont venu retirer tout tué les qui étaient barrés et frontières là. 23 et 4 heures, ils ont venu un passage. Après ça, Tom, c'est un pile haïtien qui travaille dans la bataille, haïtien qui réside en République dominicaine, haïtien qui étudie, ça nous les étudiants, qui plaignent de les passeports finis. Yo déposé passeport yo dans consulat haïtien qui est dans bien Santiago bien Balaona. Passeport prend trop de temps, passeport prend 5 mois 6 mois, yo pas gagné passeport et qu'on a dominicain fin enragé là ramasser mon voyer tourner depuis que fin temps de parler de l'armée d'Haïti ça mais yo chargé frontière avec militaire n'importe qui yo barré ensemble avec ou même sous bail badge yo du badge là pas rien. Si bal passeport qui un visa côté checker nous mandé pour gouvernement haïtien lever pied yo faire nous trouver passeport plus rapide parce que ça m'a de la tombe dit moi c'est même ça qui a répété dans pays Chili parce que n'importe trois journalistes radio pas qui dans pays Chili dans ambassade dans pays Chili nous dépenser $120 américain pour un passeport passeport prend 5 mois 6 mois nous pas trouver passeport nous arriver l'ambassade là regarder nous mal nous c'est sur WhatsApp yo c'est nous a prend plaisir Aïcha passe misère. Nous demandons pour le gouvernement haïtien, Paul Favol, please, tant pris, souple, fou mot pour haïtien. Moi-même, c'est moi qui, en République Dominicaine, qui est la frontière, qui est misère, Aïcha passe. Surtout, yon étudiant, passeport fini, qui n'a pas renouvelé, pas revenu. Yon m'a travaillé dans la bataille. Parfois, c'est Dominicain même qui payait ses passeports pour haïtien. 25-30 passeports, yon ne pas jamais venir passeport ça. Nous demandons pour le gouvernement haïtien, capable, lever pied. Merci beaucoup, Tom. Dis-moi, parce que des bambes, si tu en sais pas avec mon yo, si tu avec autorité yo, est-ce que tu entends? Nous ne connaissons pas, mais il y a toujours même vieux dans mon an, on est MDF à Badagouel, full signal. Merci, merci, Bada. Alors, Fandi Mounio, et si autorité yo, tu pas attendu, bon, yo juste pas dit vérité, pas le dire au menti, mais ça qui arrive, yo y a un coton. Mais li anormal, et pour degré de misère, si nous avons dit comme ça, puis là ici on connaît à l'étranger pendant les sites yo continue à faire manger terre que on n'a pas les national il a fait manger terre que on n'a pas parlement il a fait manger terre yo continue à faire manger terre même dans ministère yo il a fait manger terre hein en avancé la honte des provinces sous antenne signal FM 90.5 en stéréo 3w.signalfmhaiti.com nous sorti dans Wanament et nous t'ai déjà passé fort liberté là on a présenté la caille Christophe Henri Christophe le roi Henri 1er. Ernest Saint-Illus, bonjour. Salut Tom, on a salué tout auditeur avec auditrice Signal FM et nous profiter de l'occasion tout pour nous saluer tous les internautes Signal FM qui a écouté nous partout à travers le monde. Faut dire que encore, pas aucune panique matin dans le cap haïtien, deuxième ville paysan, venir lui-même, il est bien réveillé, le soleil a commencé par être lit, pas de nuages, pas de la pluie. Activité habituelle, yo reprend, transport en commun, et même yo reprend tout normalement matin, donc tout le monde capable d'alvaquer à l'activité yo sans problème. D'ailleurs, élèves, professeurs, employés, institutions de l'État, sans coupe privée, mais déjà, après prendre la rouille pour que capable d'amener l'activité yo, élèves yo, pour être capable d'entrer l'école. Gain ça qui la machine ça qui à pied et puis ça tout qui à moto tout qu'on a battu ouais comme capable d'amener activité yo on dit ville cap haïtien si on en ville qui gain en pile moto taxi qui a circulé là dans lui malgré en pile accident tout que nous connaît et trafic ça lui-même il cause ça cette fois et c'est chaque jour travers santé l'hôpital yo a fait plein rien à cause de quantité d'accidents il a pu recevoir. Mais ça n'a pas empêché chaque jour l'activité ça, et développer, la fait développer dans la ville cap-haïtien. Même les lycéens dans le département Nord recommencé le travail après plusieurs semaines grève pour faire observer, pour faire passer diverses revendications. Il y a un groupe enseignant qui réunit ce nom, Force l'école Nord, pas mettre Pio dans la salle de classe jusqu'à présent. Pour les gens qui ont déclaré, ils ont bien comportement ça, c'est parce que ils n'ont pas satisfait de réponse, ils ont joint beaucoup de responsables, ministère de l'Éducation nationale, malgré divers chita palais qui fait appui aux membres, force l'école Nord, qui a fait grève, dit, avant de reprendre la grève, force ministre de l'Éducation, professeur Pierre-Josué Agenor Cadet, prouver bonne volonté libre pour qu'il résoudre la crise là, pendant qu'il a satisfait revendications grévistes. Je vais écouter la déclaration de quelques professeurs qui t'a parlé dans le micro, Signal FM. Ça va se réclamer,
Connaît, l'ICIO qui était commencé le travail timidement depuis lundi 27 novembre l'an, et accueilli plus d'élèves à professeurs à mardi. Ernest Saint-Illus, Cap Haïtien, Signal FM. Merci Ernest Saint-Illus depuis la ville du Cap. Lorsque tu Cap ou Cap a choisi passer par plateau central, ou a emprunté, ou a passé quand même dans le département de la Tibonite, dans la mesure où ou pas passé par, alors ou passé par voie terrestre. En essayant de rejoindre là, et le bazar Tibonite avec Nazaire Dupiton. C'est mal la cité de Sagesse, nous a salué mon la chapelle mon verrette ça qui dans Tirivière de la Tibonite et mon des Amtou et la commune de Grande Saline. Bonjour Nazaire. Bonjour Tom Dimon. Bonjour les amis du Petit Signal. Dimon, les potes neuf nous venons encore là jeudi à après 27 décembre. En plein monde a regardé pour voir qui ça pouvoir faire parce que il faut bien situation à partir de quoi dur pour en plein monde qui a pleuré. Qui dit, comme qui j'en, il y a c'était parce que nous disons que pour votre avant, il y a des travaux de votre nécessité de modèle qui devraient être faits, par exemple, pour que vous ayez assainissement, pour mettre 3, 4, 5, 600 dollars dans la poche, peut-être jeune garçon, jeune femme, qui a marché, gratté et se sentir, qui n'a pas fait rien. Mais est-ce que pour vous, à l'ouvrir là, lui-même, n'a pas eu à cette monde, et nous parlons de divers citoyens, dans la ville Saint-Marc. Je m'en sais première fois, nous rendons compte que le match est difficile comme ça. Habite là d'autonomie, ils sont sur les gens de la mais j'ai tout équipe et tout, par contre, qui doit mettre des boules dans le camp. Le match est la pile, et c'est pour nous faire regarder qui vient en misère dans le Saint-Marc, là comme ça. Nous essayons d'entrer dans le marché Saint-Marc, nous allons continuer contre toi, que maintenant, la bien chasse, nous étant des clients, le match est en plein, le match est acheté bien chez Rodrigo, et puis les packs arrivent dans le marché local là. Tellement par la difficile. Et c'est là donc qu'il y a pris pour Dieu, dimon, ou même au 40 compte, est-ce que effectivement, pris nous baillons, est-ce que c'est réel? Mais quand même, c'est une réalité, en disant marché Saint-Marc, c'est un pile monde qui a plein. Vous nous payez, un, sous prix de la il n'y a pas qu'à acheter rien, nous pas un gagnant, mais les achetons, qu'est-ce qu'il y a à rançon? Nous payons qu'est-ce qu'il y a à rançon? 715 dollars, qu'est-ce qu'il y a à rançon? Pas même 100 à rançon en donne, et puis, il n'y a pas qu'à faire comme là. Il y a son bel petit carousel qui coûte presque 750 dollars. Je me garde qui mode carousel qui gagne. C'est plein ça qui gagne en dedans marché Saint-Marc. Mais comme une saline, bah là, pas une bonne bonne, nous avons demandé pour gagner une amélioration dans la tronçon route là. Je dis que sur le bord des hommes, c'est une grande amélioration. Et je vais vous dire, il n'y a pas de côté amélioration en fait. Même là, il n'y a pas en pile de caravane changement. Et car avant changement, semble que c'est une question de jury, et je me garde pour est-ce que j'y ai apprécié ou pas. Mais car avant changement, il y a pour le tourner encore dans la Tibonite, personne ne monde pas une date là. Je te disais début novembre, mais il y a une finale, nous allons être décembre. C'est pour sa situation. Il y a le plus gros problème qui vient actuellement, comme du monde, c'est notre quatrième section, il y a la Tibonite, avec John Pernet. Cinquième section, ça compte des âmes, qui est la quatrième section de la Tibonite, nous n'avons pas plein. On fait gros bien gagner, et ceux qui étaient à tourner, bandit, à faire la loi, la police inefficace, n'est pas qu'à agir. Comme il dit dans Jovenel Moïse, crions la main, ils l'ont la main. Est-ce que l'insécurité a toujours été comme ça? Est-ce que bandit a toujours continué à fouiller la machine, le problème dans la limite, la chapelle à Pombalais, son véritable casse-tête chinois? Pour chauffer, capter, réagir, zone ça. Si vous constatez ça, si la police a regardé, imaginez-vous bien, pour une machine qui peut être ciment, pour bandit sans foi ni loi, crise carotua. Il n'y a pas de vérité, non? Si carotua, pour nous obliger à chercher 4 000, 5 000 dollars pour acheter un green carotua et pour bandit à pas agir comme ça, il faut
fait d'avoir une garde dans la situation, madame, si tout le monde a fait un peu de temps, a évolué. Toute information, non, voilà, tout le monde est là. Je vous signale. Merci, Nazaire Dubiton. Alors, sous temps des coqs à chanter, hein, ou dans la ronde des provinces, sous signal. Hein, son information, c'est information à chaud et c'est une rubrique qui allait dans la ville province regarder comment ça y est. Alors tout attendre des coqs à chanter côté Nazaire, pas gain caché, c'est en plein air. On traverse Tigouave rapide rapide. Wilson tient juste comment nous est. Ben, nous là tombe du bon, nous là avec un pile fort qu'on a continué et travail pour nous informer auditoire signal là, qui fidèle hein, chaque matin qui branche la ronde des provinces parce que jeudi c'est mercredi, il y a troisième livraison. C'est toujours avec plaisir pour nous informer auditeurs de ça qui a passé. J'en saute le temps du monde. Nous en province, et je souvent entends des cris bêtes qui chanter, eh ben, la ronde des provinces, c'est le cri de tous les animaux. Eh ben, pour l'instant, nous, petit bois, on vit dans une ville qui fait partie de la région de Parme. Et on a parlé maintenant de questions gros poissons qui continuent à chouer sur le côté littoral. Nous avons changé après Fort Liberté. T'es gagné un bête consacré échoué. Et tout récemment, là, c'était la ville de Jacmel. Le cas Jacmel, disons. T'es gagné un. Et bien, Tigouave, là, pour l'instant, dans la zone Avenue Sumons, que tout le monde connaît dans Tiguinet, il y a un an, bête ça, encore qui échoué sous la mer. C'est la même situation qui était présente dans la commune. Cas Jacmel, là, c'est lui qui fait Tigouave. Mounio, débattre avec moi, chèque, couteau, chaque monde pour Mosso, aller la caille. Et depuis hier, dans le marché poisson petit guave là, on a vu une viande en quantité. Autrement dit, à gogo, on a vu ça en quantité parce que viande poisson ça, chaque monde qui besoin de débarquer ou couper pour morceau, pour y aller les affaires la caille. Donc, nous ne connaissons pas, il est bruit que tu as gagné un monde qui commence à intoxiquer si tu as pris consommer viande ça, mais l'information ça ne peut pas capable de confirmer. Et tu es branché ici, les amis auditeurs, on a toujours bas où ça a passé sur le dossier ça. Et puis, nous devons parler des accidents de circulation qui produit sur route nationale derrière. Côté gagnant, Yuna, coordonnateur du ministère de l'Éducation nationale, coordonnateur régional, qui donc région Palna, c'est Maître Alexandre, que tout le monde connaît son nom, Maître Mich, et qui pas bien longtemps depuis que le père dit madame, et bien, il est capable de victime d'un accident de circulation au niveau de la Monde d'Avion. Et qu'il y a un groupe qui comme quoi que le directeur Ali Maurice, mais une chose est sûre, il n'est pas mort, mais il est dans une situation très critique au niveau de l'hôpital, puisque depuis hier, nous apprenons que le tabac est sans année. Ça semblait qu'il était frappé. Et il y a quelques parties dans le colis qui est grave pour l'instant. En tant que signal à la femme depuis Petit Gouave, c'était Wilson Saint-Just. Rendez-vous pour demain, Tom Dumont. Merci, Ampile Saint-Just. C'est depuis la région des Palmes, la cité de Faustin Ier, Tigouave. Hein? Tigouave, on allait quitter, alors c'est capitale d'Ousmakos, c'est bastion d'Ousmakos là, c'est la Tigouave, ou bien c'est Tigouave même, hein, qui produit, c'est une capitale d'Ousmakos dans le pays d'Haïti, on essaie là, et traverser là, arriver dans l'arrondissement d'Aquin avant même nos plier bagages, puisque la part était en pile temps. Rapide, nous allons laisser rejoindre Yves Delva, en attendant que nous arrivions, nous retournons à Pétionville et dans siège social Signal 127 dans rue d'ouverture. Nous pas bien temps bon et mieux vaut que nous plier bagages et Julien puisque là il est difficile pour nous atteindre reste zone un peu par rapport avec Titan qui était là qui est tout côte puisque nous pas rejoindre Yves Delva mais pas inquiéter mon Jacmel on a prouvé Jacmel demain puisque pas gain en pile temps encore du moins pas gain temps encore qui était 7h57 minutes, hein, et nous, TAP servi, hein, et nous pas font pas encore, Julien. Nous pas font pas encore. Et si n'a pas font un petit coup de pied, par exemple, au CAI, nous t'es capable tout de, arrondissement d'Aquin, nous t'es capable tout de la ville de Dierviller, la cité de Dierviller, Jérémy, c'est demain. Puisque là, nous déjà plié bagage. Mais nous avons salué avec un peu de plaisir chaque grand monde qui branche au Bouxa chaque matin. Et notamment, Expérience FM. Hein? Expérience FM, c'est dans la ville de Jérémy. Il y a Radio Zaragoato, toujours dans Jérémy, dans grand Aspéia, qui facilite les gens qui sont dans diverses communes, tant que Mouron Chambellan, ça qui est dans Damari, les Iwa, ça qui retrouve dans la commune Ansdeno, hein? Ça qui retrouve dans.
ça qui est retrouvé dans les îles Caïmites. Hein? Et nous c'est avec un peu le plaisir à saluer. Nous appelons saluer également auditeurs et auditrices qui branchent Intermix dans la ville du Cap, la cité christophienne. Et puis dans le département nord-est pays, nous gagnons Radio Télé Power dans Wanamet et gagnons également Radio Gamma dans Faux Liberté, gagnons Louange FM qui dans Trou du Nord, c'est une commune dans le département. Alors gagnons Caris, Valière, Montmécrochu Ferrier, Les Pêches. Nous saluons Mounsayo et qui casse rendez-vous chaque matin, qui branche la ronde des provinces. Et nous pas oublier Mounsayo sur YouTube et Sayo qui branche Radio Décibel. Non pas M. Tom Dumont, Julien Virgile dans Manœuvre Technique, rubrique Santé, la ronde des provinces, ou branche le sous Signal FM. Sans pas oublier ensemble station affiliée, surtout Mounsayo qui est à l'étranger. Nous saluons David, hein, sous rubrique ça. Mali, n'a pas joindre demain. Restez branché signal. Merci un peu Julien Vieux-Gilles, n'a pas salué tout le monde. Bon, si vous êtes ça va vraiment dépendre de volonté nous excusez nous quand même. Alors, go bonjour pour nous toutes. Je dis à nous la CAO, l'autre fois, ou toujours branché signal, je dis à nous mercredi 29 novembre, date ça doit dire non qui chauffe parce que quand même 29 novembre et 87, nous songer ça qui t'est passé. Je dis à nous 29 novembre 2017, ça fait 30 ans, hein, Julien Virgile, 30 ans depuis première élection, nous avons organisé, nous avons fini naissant, nous songez ça, c'était élection qui était douée et faite dans le pays d'Haïti, c'était première élection sous base constitution 87 là, nous avons doué gagner, malheureusement c'est élection qui était fini naissant, peuple là, nous songez ça. Et moun ki pat vle danser collé avec la loi avec démocratie la médaille à l'époque nous songe ça t'es campé en quoi zimpété élection yo t'avoir fini dans sang et nous songe ça qui t'est arrivé où elle va rien côté te gagné en pile victime donc son date c'est une date macaron dans histoire pays d'Haïti notamment histoire électorale parce que n'a fait des autres dans élection ici longtemps et situation n'a vive là journée aujourd'hui encore une fois sur le plan sociopolitique en grande partie c'est résultat des autres nèg ici fait dans élection tantôt y a des volé élection tantôt nèg perdu nèg pas l'accepter au perdu dans une autre cas ça vient une bonne division chirépite dans mitan dirigeant politique qui ne fait que si là qui arrive au pouvoir ou bien rejeter ou bien handicapé lui fait pas qu'à diriger ou bien arriver prendre pouvoir dans mel tout simplement donc à chaque fois c'est presque même cycle là et si nous fait exception René Préval qui est arrivé fait deux mandats mais là encore dans quelles conditions René Préval non c'était non ni même pas détourner le côté lié parce que monsieur Mouri soit pour reposer mais par contre il en paix même ça proposé donc premier mandat monsieur a estimé monsieur pas à l'aise à cause de l'autre marassa qui était souterrain hein? Et l'homme fort de tabac et dans deuxième mandat monsieur a li essayé de dégager lui mais quand même en pile insatisfaction puisque nous songer comment situation était quand même sous René Préval en pile institution publique qui liquidé et n'a payé conséquences aujourd'hui hein. Michel Martelly fait 5 ans mais nous songer quand même contexte là c'est un contexte post 12 janvier nous songer ça le et sans compter mobilisation que t'es gagné et quand en face là justement sur le plan politique qui t'est chauffé pouvoir et à un certain moment tout le monde pensait pouvoir t'a tombé. Nous songez 29 novembre, justement, on croit que c'était 2013 ou 2014, pouvoir être pratiquement dans la rue, tellement mobilisation en t'es chaud. C'est une question devant l'ambassade, où elle va rien. Nous songez tout ça, yo, qui vient faire que, politiquement, nous pas jamais stable, qui fait que, nous pas jamais capable en route, croissance économique, nous pas jamais capable en route, développement social. C'est ça qui est réalité, ya. Donc, je dis à son date important que nous devons signaler. Maintenant, on a plus mettre accent sur Petro-Caribé, qui toujours qu'un actualité à quoi on puisque demain, il y a une grosse séance qui prévoit au niveau du Sénat de la République. Le rapport sera mis en débat. Quelle sera la position du grand corps? C'est ça, Napton. Est-ce que rapport ça, il a voté le volet suite utile? Est-ce qu'il a demandé une troisième, une quatrième, une cinquième commission? J'ai un monde qui souhaitait ça, ou bien avant qu'il passe quoi sur lui? Donc, c'est la grande question. Mais entre-temps, faut nous dire concerné eux, qu'on profite ou bien continuer défiler devant la presse. Après, ancien PM Jean-Max Bellerive, ancien ministre planification, alors ministre finance
Wilson Lalo, je dis que c'est chef cabinet président République là, Yves Germain Joseph, ancien ministre planification et coopération externe, ancien ministre touriste Stéphanie Balmier-Vildouin, et qui est l'autre encore, en pile l'autre ministre justement qui est indexé. Hier, c'était la grande sortie de l'ancien PM Laurent Salvador Lamotte, et justement qui t'a essayé et parler avec la presse. Monsieur t'a envoyé note à document dans les médias, mais hier c'était bas en conférence pour la presse côté lui expliquer en détail comment ça t'a yé les réserves les gagnent par rapport à rapport ça lui estimer qu'ils sont scandale qui honteux parce que lui montrer vraiment chiffre preuve à l'appui que dans pile faille, mais vraiment pile faille dans le rapport. Et pour lui-même, c'est pas faille, c'est méchanceté, monsieur commissaire au fait, lui-même, avec équipe qui t'a géré à l'époque, président Michel Martelly, et monsieur signalé, c'est exprès, monsieur au fait, il a écarté la période de privé dans le rapport. C'est voulu pour que c'est l'autre camp politique là, il a épinglé, et épinglé comment avec faux chiffres et rapport falsifié tout ça. Donc, son ensemble de recommandations, monsieur, ensemble de revendications, monsieur, fait par rapport à Sak Soti, et comme rapport Petro-Caribé, qui est indexé, qui m'a des poursuites contre lui d'ailleurs. Donc, Laurent Salvador Lamotte, ancien premier ministre, c'est Nèg qui bat record, fait plus temps dans primature comme PM. Donc, hier, il était rencontré la presse, justement, dans Hôtel Oasis, pour le bail version pâle des faits. Et pour te voyer jeter rapport ça li quoi qui pas rien pour être avec vérité monsieur dit son véritable blague c'est poursuite qu'a fait il y en a pour monsieur signaler l'estimé gain firme qui proche sénateur qui t'a mené enquête là on a parlé de Nenel Kassi de Valier Beauplan écho l'estimé gain firme qui proche monsieur qui doué l'état dans cas de Petro-Caribe justement il a parlé de 173 millions de dollars qui pas payé mais il pas cité le rapport seulement passé sous yo monsieur parlé de question à compte pour DGI qui était versé monsieur pas réalisé si ça t'est fait il parlait de ancien DG BMPAD Patrick Noramé justement qui pas payé plus de 80 millions de dollars là été porté produit pétrolier pour Haïti qui donc il a pas cité Patrick Noramé pour t'a poursuivre dans rapport ça alors que l'autre DG BMPAD qui eux même t'ai payé monsieur demandé pour mettre action publique en mouvement contre yo au Patrick Noramé même gagné la justice qui l'a guidé monsieur donc PM Laurent Lamotte dit pas comprendre ça du tout. Et monsieur du rapport a volontairement cité que pays a été connu deux présidents de 2008 à 2016. Monsieur dit c'est pas oublié, monsieur oublié que Jocelyn Brivert était président en 2016. C'est son fait exprès pour que yo écarté équipe paio dans rapport. Et monsieur dit au même yo épinglé c'est avec une série de chiffres qui pas chita sous rien. Donc en gros c'est réaction Laurent Salvador Lamotte et quelques 48 heures avant que et rapport ça remettait l'en débat au niveau de la du Sénat de la République que relait le grand corps les sages l'autre précision monsieur fait monsieur dit nek fan pile voyer monter a parlé de 3 4 milliards Petro-Caribé monsieur précisé sur 13 ou 14 résolutions qui étaient adoptées de 2008 à 2016 c'est 1,7 milliards de dollars américains qui dépensaient 1,7 milliards. Donc monsieur estimé que sont 3 4 milliards qu'a parlé à son fabrication politique pour nèg régler affaire, c'est 1,7 milliards. Là regardez quantité fonds qui était engagé sur toute résolution qui était adoptée de président René Préval en passant par président Michel Martelly rivé sous président Jocelyn Brivert, c'est 1,7 milliards qui dépensait. Avant que peut-être nous-mêmes nous plaçons mot sous question, Julien Virgile, l'avant auditeur plaçons mot nous permettre en dans des mots dans déclaration Laurent Salvador Lamotte hier à l'hôtel Oasis. L'important, le y a bay menti sou moun, le y a fait invention, fabrication d'information, intoxication, et bien l'important pour porter correction, pour complot yo, yo rete complot pour que eh bien nous fait ça nous capable pour rétablir la vérité devant la nation. Si a pas attaqué moun avec sans preuve, sans fondement, basé sur faux information, eh bien nous même n'a bay réplique et n'a continuer bay li. Parce que l'homme devine travail, nous devine travail pour payer avancer. Et pas voler, nous devine voler. Et ne pas quitter personne qui vient accuser de ça, je vous dis. Un document qui sorti
dans le Sénat qui était rédigé par un groupe sénateur opposition, Evalier Beauplan, Nenel Kassi, et bien ils mettent les ensemble pour faire un document que ont présenté à la nation. Document ça, je qualifie de scandaleux. Scandaleux parce que les plein avec invention, menti sur la situation projet Petro-Caribe. Et nous ne pouvons pas accepter qu'il y a fabriqué information. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y a monté des projets qui pas même existé avec des chiffres falsifiés. Et j'ai l'impression que je ne peux pas même lire pour moi-même. Mais nous-mêmes, nous lisons. Nous lisons avec. Nous lisons deux fois, trois fois, quatre fois. Et chaque fois, nous lisons, nous jouons erreur sur erreur sur erreur. Et erreur, ça y est, nous avons plus que 40 erreurs. Alors, 40 allégations mensongères en un rapport. Que nous pouvons aller là, énumérer. Donc, nous préparer pour nous une petite présentation, PowerPoint. Donc, pour les gens qui sont dans la radio, les gens qui sont dans Internet, nous avons la parole, mais les gens qui sont dans la radio, ils ont bien entendu, et les gens qui sont dans la télévision, ils ont accompagné nous dans la présentation. La commission Yuri Latortue est montée ensemble avec Anel Belize pour que nous formions un rapport. Côté que dans la dernière conférence de presse que nous avons fait, nous avons dénoncé 4 fausses accusations et 8 erreurs flagrantes. Et nous avons allé point par point pour nous aller dans l'accusation et erreur flagrante ça. Eh bien, rapport a été venu pas accepté dans le Sénat de la République là. Et il y a été venu faire une autre commission pour venir approfondir rapport, premier rapport. Donc, là, m'a fait une sorte de rappel historique avec nous pour nous mener nos journées aujourd'hui à côté de nous. Lorsque le rapport ça vient pas approfondi, eh bien, ça qui vient de passer, c'est que les gens qui ont fait approfondissement rapport, l'un garde nous. Eh bien que c'est est-ce que rapport ça capable un rapport impartial? Est-ce que rapport a capable un rapport qui juste et qui balancé, qui équilibré? Et là regardez nous commissaire, eh bien une là-dedans c'est pratiquement un sénateur Lavalas et deuxième dans tout. Donc c'est deux sénateurs Lavalas qui mettent tête ensemble pour préparer un rapport pendant que ils sont minorité en dans Sénat. Il a préparé un rapport sur gestion fonds Petro-Caribe. Voilà. Alors, c'est Mosso, dans la réaction, Laurent Salvador Lamotte, justement, sous rapport Petro-Caribe hier. Monsieur croit que son voie est montée, monsieur, fait continuer. Maintenant qu'on y a, on fait quelques considérations sur, justement, question rapport Petro-Caribe, ça. Et Petro-Caribe font été engagé justement de 2008 à 2016 dans cette dili de président René Préval en passant par le président Martelly rivé sous président Justin Briver. Donc Justin Briver, moi c'était une ou deux résolutions qui étaient adoptées, 33 millions de dollars qui étaient engagés justement principalement majorité font été engagé sous président Michel Martelly qui était gain 5 ans lui-même pour le faire ça. Donc réalité assez saldée. Maintenant pour commission hein, et faut qu'on monte à commander tête. Qui ça t'a expliqué que monsieur commissaire a choisi volontairement pas mettre et période de président privé là bon même le pas longue dans rapport puisque le mandat c'était 2008-2016 pour qui ça a fait lui hein son question et Patrick Noramé pour qui ça a mettre monsieur et dans rapport avec ta poursuivre lui bon tout le monde connaît que c'est monsieur qui t'a metté Patrick Noramé qui monde qui croit si t'a épinglé Patrick Noramé éventuellement la justice t'a qu'à poser la question puis devant s'il y a une question comme ça c'est sûr que nèg t'a piqué propre tête yo donc c'est le cas de le dire maintenant avec toute réalité ça est-ce que choix monde qui dans commission ça généralement je ne connais Sénat a fonctionné est-ce qu'elle était bien faite parce que d'un côté comme de l'autre a bien difficulté parce que son j'ai problème ça a été posé avec premier rapport sénateur Yuri Latortue tout le monde dit bon sénateur Latortue t'es pris conseiller président Martelly est-ce que le pral gain courage pour l'épingler monde qui t'a géré sous Martelly Jean Louis Fell s'il t'a gain preuve contre yo c'est même question en vini avec sénateur Lavalas principalement qui tapé mené bac commission ça c'est même question en Guinée et
fait au montrer li que Jean Monsieur prend précaution yo écarté période privée côté que gen fond Petro-Caribe qui engage tout mais fondamentalement gon ensemble de chiffres gon ensemble d'arguments tande moi yon argument qui pi convaincant que m'tande en termes de réponse par rapport ça c'est ancien ministre touriste là Stéphanie Balmier-Villedouin qui expliquait que gen de faille li wèn rapport al pa comprendre comment yo fait fête puisque tout document yo là li parle de question de 2% et chèque pour DGI monsieur dit pas de fête mais chèque yo là yo fait li parle de contrat et coup des comptes pas de validé li dit tout contrat yo là yo té validé et par la cour des comptes et norme yo té respecté yo té passé par CNMP mais de qui ça t'a expliqué pour que en dans rapport ça que commissaire a fait que gen tout fay sa yo que gagnen toute légèreté sa yo qui ça t'a expliqué ça m'pa croire que monsieur t'a mis en tête yo que ancien gros responsable sa yo que ou bien yo pas ta gagnen document yo ou bien yo pas ta gagnen des experts pour analyser ça que sorti a pour faire fay qui gagne là-dedans et qui fait que gon ensemble de fay qui sorti dans texte là qui vienne faut poser question qui s'est passé, qui s'est passé qui fait que gagne toute faille ça yo en dans texte là ou du moins puis a personne fait quoi que sénateur qui a mené enquête yo comme Simdadjo yo même tout yo va ca joindre des experts ou bien de la cour des comptes ou bien des techniciens pour chercher pour aider yo joindre tout document qui nécessaire pour que yo ba un rapport même si on était dans un camp politique ou bon l'autre puisque la approche yo surtout est faite sous base politique nous même n'a pas analysé la donnée qui disponible et comportement acteur pour qui ça monsieur yo pas fait yo encadrer de techniciens ou bien coup des comptes ou bien indépendant j'en dis là pour que yo te produit un rapport long moun gade l que ou pas de cas joine mode faille que tout ancien ministre ou bien premier ministre reproché yo le ça véritablement tout monde t'a dit ah et commission en font travail qui est appréciable qui est respectable qui est appréciable qui est respectable si yo te gade effectivement les simples si commission a dégalé toute résolution que t'es adopté surtout les trois présidents tout gouvernement passé yo 5 6 yo gade procédure est-ce que procédure t'es respecté tout côté procédure pas respecté yo noté toute recommandation pour ta fête yo fait et puis là ça tout monde t'a saluer travail qui fait là puisque on pas besoin de faire ça là dans là ça c'est la justice qui t'a pris véritablement l'un rivé là prononcer le sous culpabilité ou ancien on sait d'ancien monde puisque les clair que on est qui t'a dirigé l'argent l'état qui mal dépensé qui fait route cocher avec c'est clair faut la loi sanctionner mais en même temps tout li pa ka fait sous base mensonge, li pa ka fait sous base voye monté, li pa ka fait sous base politicienne, gens que généralement ne comportent ici. Donc c'est ensemble de questions ça qui rete jusqu'ici sans réponse en tout cas séance demain au Sénat de la République li fondamental pour que échange entre sénateurs. On a souhaité que pour une fois monsieur garde calme yo. Yo font échange que moun katande sa kap di pa gen trop blessé frappé pour commissaire expliquer yo parce que en pile moun pa arrivé comprendre pour qui ça gen toute faille ça yon de rapport. Est-ce que c'est voulu pour que rapport a pas arrivé devant la justice justement pour lumière faite Jean Saab di a son rapport politique pour barrer des moun? Est-ce que pas de gain volonté vraie pour lumière faite pour que la justice épingle tout le monde, yo jeune preuve qui est impliqué? Ce sont ensemble de questions. Donc, l'important que, séance demain, l'y fête, on t'a souhaité que sénateur majoritaire proche du pouvoir est vini. Et sénateur commissaire qui te travaille sur rapport à tout vini. Pour que yo bay nation explication parce que l'y trop facile pour que, en pile moun ap gade yo vraiment 1.7 milliards dépensés en pile moun ka di yo pas vraiment ouais et trace comme ça c'est vrai gen des projets fait c'est vrai gen des bagages qui fait c'est vrai pays a pas de comme ça et 2 3 jours avant 12 janvier après 12 janvier mais quand même n'a pas d'accord avec et nous a dit que nous pas ouais côté toute l'argent ça a dépensé donc moun qui t'est engagé font ça yo les fondamental que instance qui place pour ça à regarder qui j'en font yo t'engager qui j'en contrat au débat est-ce que procédure est respectée et moun yo jeune qui coupable pour sanctionner étant que nous pas prend habitude ça habitude institutionnelle ça c'est sûr que nous pas privé trop loin et c'est ça qui explique que Haïti côté lié c'est parce que nous décider c'est dans impunité dans la grande corruption n'a fonctionné donc réalité a c'est ça lié à nous garder appréhension quelques auditeurs justement après sorti ancien PM la mode fait hier
dans l'hôtel Oasis, c'est Julien Virgile. 305-407-21-19-47-14-22-64, rapport Petro-Caribéen qui, encore une fois, retourné dans l'actualité à très fort après sorti PM, ancien PM Laurent Salvador Lamotte hier dans micro la presse, dans conférence pour la presse Libye, dans l'hôtel Oasis Pétionville, côté le tap expliqué justement ensemble de failles qui gagne un rapport à il quoi, c'est attaque et politique monsieur fait pour barrer des monde, pour empêcher avancer politiquement, pour empêcher joindre des charges, notamment lui-même, parce que quand même il a présenté Laurent Lamotte comme un nèg qui a candidat ou même qui a gain intention candidat en 2022. Et maintenant pour monsieur candidat, faut le gain ti bay là, faut le gain des charges. Et si l'épingle, si c'est politique qu'a fait, il pas gain des charges. Et s'il va gain des charges, il pas candidat. Même Jacques en pile l'autre nèg qui épinglé, peut-être qu'il t'a ka gagner prétention. Donc gen moun ki dit c'est ça qu'a joué tout. Et me penser à poste ça yo. Nous avons compris dans le contexte nous, c'est ça que fait nous-mêmes. Nous toujours été quoi que c'est la justice tête froide qui pour trancher sans que c'est pas question sous base politique, sous base barre monde, sous base nèg qui besoin prendre frame politique sous deux rapports etc. pour y avancer. 305 bonjour. Bonjour France. Non, bonjour toute l'équipe. Bonjour Haïti. Je l'ai vu Gilles, monsieur, va passer bien. Hello. Oui oui, nous recevons là, on allez. Prenons avec un peu d'attention. Rapport, si, premièrement, c'est Yuri la tortue qui était fait enquête qui était dans le gouvernement matériel. Claudia, 17 que de l'autre officier, il menait rapport, qui conduit rapport, mais il côté arrivé là, où jouait non, la mort a fait tolé. C'est qu'il candidat à la présidence, qui a parlé de la justice, il a fait travailler. À ce machinage politique. Si, c'est pas Yuri Latos qui t'est mené, qui te fait cette là-bas, on t'a dit bon, c'est la fin avant la saillot, c'est le sénateur qui a fait casser politique. Mais je dis à monsieur, faut payer, au moins, jouer une orientation, faut que la justice se travaille. Si nous gardons ces combles, il faut d'abord la justice. Explication. Nous disons qu'on suit une route. À rien fait. Nous pas construire l'école dans le pays. Nous pas construire l'université dans le pays. Nous pas construire l'hôpital dans le pays. Le pays a toujours un blackout. La police n'a rien touché. Merci, pas qu'à toucher. Pour nous, on pense à garder notre pays. Pour nous, faire une enquête. Je dis à l'abdi, c'est politique. C'est pour déstabiliser nous, pour nous parler dans l'élection. On est à Haïti même. Pas, on va faire un cap dans le pays. Pour tout le monde, pour nous demander sur moi. Haïti, vous m'avez essayé qu'à faire. Laurent Lamotte, ça l'a fait, là. Ils comprennent que les peuples haïtiens sont peut-être qui sortent, qui sont peut-être égarés. Ils comprennent qu'ils ont considéré des trous pour que, là, il y a une élection qui a voté. Non, jamais, ça va passer. Faut que la justice se travaille, il faut ça. Comme ça, qui casse, qui garrote. Faut que les sénateurs aient une explication. Dans la secrète, là, faut une explication de lui. Pour que ça finisse le pays, là. On peut y faire marcher, continuer à marcher, comme ça, mes amis. Anba, on a ton chance, non, mon frère. Merci, Franck. Merci un pile pour votre participation. Nous avons l'autre amis sur 4614. Allô, bonjour. Allô. Comment nous y est? Faut-il baisser le volume radio, là? Fontan? Oui, oui, on allez. Ok, nous saluons. Nous saluons. Bon, franchement, avant de commencer un peu de parité, nous avons renouvelé. On se casse plus fort. Oui, oui, nous avons renouvelé. Bon, face à service, et puis on ne peut plus, que nous, les fonctionnaires publics, apprend, en fait, qu'il a fait assurance, c'est des services vraiment médiocres, et qui mettent vie mon en danger, même si ils sont en danger, on dit, ou on est dans l'hôpital, pour jouer nos numéros, on fait le bagage, donc on dit, un indicateur par écrit, parce que, imagine, c'est l'indicateur qui a pris dans l'hôpital, les fonctionnaires publics, qui fait plus faire tout. Mais ça va pas écrit. Et pour nous avoir un numéro en côté. Ça va être qu'il est dans l'hôpital là, c'est après le connaître, tout qui nous est disponible dans la vidéo. Parce que lui-même, il y a un indicateur à vie devant l'hôpital là, que pour le numéro pour l'entrée, il y a un indicateur à vie, pas mettre visiblement pour qu'il y ait un well, pour l'île. Pour ça nous dénoncer là, un médiocre, on ne peut plus dans la terre, au patin de la nature. Et, moi, nous condamnons tout, dans l'éducation, pendant qu'on a des gestions médiocres à l'Université, pour faire des débats de journée à Poupou, pour ce qui est fait dans l'Université du Nord. Nous-mêmes, ça va plus nous, non? C'était fait ça dans quelques bureaux, des cadres, et ces bureaux, ils nous disent, ça va nous intéresser.
mais l'intelligence a vraiment nous déplorer et nous condamner et nous souhaiter nous foutre au faire à tout ça pour ne pas viser. C'est pour faire la liste, ça tout le monde fait. C'est pour ne pas mériter par exemple. Si vous avez un âge pour le mériter, son innocent, il n'y a pas un monde qui a dépensé, qui a permis de critiquer dans la gestion. D'accord? Donc, pas faire ça à l'école, mais on n'a pas de son appui pour. Elle fait l'autre côté. D'accord? Bien. Oui, honorable. Projet, on fait de nous recevoir à tout ça, habillé Laura Lamotio. Et qu'elle soit appelée Clément Vell. Non. Si c'est sérieux, si tu as pris un avocat, c'est avocat qu'on se fait procéder contre diffamation à ce jour. Et si c'est sérieux, il t'a mis disponible. Depuis tout le temps, il finit gestionné, il faut avoir la montée des sommes pour demander ce que de droit. Moi, je me demande des voiles, là, c'est à prendre des charges de l'autre côté. Quand elle a commencé à accuser la volonté, vous voulez vous préparer, sauf si on était pour moi, sérieux comme gestion. Vous avez pensé à monter des sommes à avocat. Et avocat a imposé les procédures prévues. Et là, qui ont refusé les procédures, ça, il y a au moins qu'à blanchir. Parce que vous faites des procédures, c'est une institution tablion. Il passe le travail, que je dis à la nappe de la mort, il crée que ça lui visite sur la mort, là, il est corrompu, on ne peut plus. Ça va y sortir de là. Et nous, on est à faire augmentation, surfacturation, on est en vérité. Donc, on dit que la mort, si c'est pour le parler, il va le faire dans le tribunal, il va le faire dans l'institution établie. Et pas une crève du Khazia, je veux dire, une crève du non, c'est pas ça, non. Non, pour la raison, on reprend Clément. Oui, nous saluons le président de la justice, que pour parler que l'impunité a ce petit coup pour que nous avons condamné. Nous avons condamné l'impunité, nous avons combattu l'impunité depuis des années. C'est clair que. Et nous parlons de ça ce matin-là, et pour accueillir le vaillant, les fruits et le vaillant, et nous condamnons tous les peuples à tous, donc pour dire que nous hier, que nous connaissons pile contre Lyon et Nélion, qui subit des colossales humiliations et violences, qui des vies en danger, donc nous avons des soucis pour nous, comme journalistes. De carrière et de senior. Donc, nous avons dit que l'éclair, pas bon à comprendre ce que vous faites là, qui va rétablir notre santé, notre objectivité, toute question régalienne, et tout ça va faire enquête financière. Donc, tout support, tout accord politique peut prévoir que pour le chef, pour mener dimension avant Jovenel Moïse et les deux autres alternatives du Parlement, et nous, c'est tout. Et pour poursuivre des fonds. On ne peut plus. Donc, il est clair. Parce qu'il est clair que je vous dis à la corruption, ça a fait Petro-Caribéa. Il faut commencer avec elle pour nous voir le son, ça pour nous faire. C'est ça. On va avoir le son tracé. Donc, étant plaisir, pour les enfants, nous saluons tous les journalistes et tous les votants qui ont fait un coup de cartouche dans le jour élection réelle vaillante. Étant plaisir et bonne fête de l'émission. Merci un peu, Kembela. Merci un peu, professeur Bolivar, qui n'a jamais raté l'occasion. Pour le placer mon pal depuis nous l'ouvrir ligne sur yon ou l'autre point d'actualité. Nous saluons. Nous avons l'autre ami avec nous. Julien, 305, allô, bonjour. Et 305, là, nous perdons du lit. Et 46, 14, 91, 44. 305, 407, 21, 19. Nous avons l'autre ami sur 46, 14, là. En font 305, là, Julien. Et 46, 14, allô, bonjour. Bonjour Frantic Dantus, bonjour auditeur, auditrice de la FM. Nous vous remercie pour l'opportunité au bas nous-mêmes pour nous garder le bon nom de ce qui passe dans le pays. Jean qui a analysé là, c'est de bon ton pour que nous-mêmes, si c'est et yeux avec bouche et population, pour que nous demandions des bagailles faites dans l'ordre avec le respect, pas dans le système partisan. Alors, normalement, moi d'accord, Jean qui est au même tout d'accord. Que l'argent Petro-Caribéa il dépense mal et que nous pas retomber concrètement. Mais tout, si il y a un rapport qui a fait pour que nous cherchions coupable, que nous pas dans deux poids de mesure, ou pas qu'un juge est parti, normalement. Parce que il n'est pas de bon temps pour que c'est des sénateurs opposants qui a dépensé mal. Parce que, vous ne pouvez pas comprendre. La commission, elle dit que l'argent, il est joint. Dans un peuple là. Qui pas à manger, pas à boire, pour que yo ait une enquête, ça yo, et que pas fait venir, n'est-ce pas, ils ont mangé comme là, mais yo écrit n'importe quoi. Ça yo pensé, ça yo voulé. Yo écrit mon yo voulé, mais mon yo voulé, c'est pas pour ça vous le faites. C'est pour que des mon crédible, et me croit que Haïti est mon crédible à donne. Pas chaque fois que mon yo voyage, et yo allé loin, nous, et que n'attendez, mais yo tourne, yo n'a mais nous, mais yo tourne là, et que nous pas à jouer de yo, le pays a pas à jouer de yo, le meilleur en Haïti. Normalement, parce que faut qu'il y ait une commission impartiale montée qui panique cette calémie la valasse
pour que lui tenir compte de tout président et de tout le monde qui a géré l'argent de l'État dans la période de la période plutôt caribéa. Je peux voir qui est-ce qui fait bonne gestion, qui est-ce qui fait mauvaise gestion, qui est-ce qui fait bien passer contrat, qui est-ce qui fait passer contrat. Contre ça, le Sénat a voté rapport avec eux pour voir la justice. La justice travaille pour une première fois au moins. Leur monde joigne un poste et dans le pays ça pour capable réfléchir mille fois avant que vous prenez avantage pendant que vous mandez pour bailler avantage. Normalement, pour payer avancer, il faut nous combattre la corruption et lui encore pire que la corruption. C'est l'impunité. Parce que là qu'on est, il finit fait tout à la terre, il n'y a pas de trace, il juge parce que le monde qui veut juger lui, il même tout, il est jugeable. Je m'en dis que pour nous mettre nous ensemble pour payer à changer, pour nous faire avec la politique, ça barrer là où t'as l'autre là. Merci. On fait bagaille bien pour payer à l'avance. Merci pour les gentils, bonne journée. Merci un peu, Kamila. Merci un peu pour votre participation dans l'émission. 305, bonjour. Sofane, vraiment, eh bien, en forme. Ben, nous saluons l'autre, amis, quand ça va voir là tout. Mais dans les enfants, nous m'aimons d'aller à Jésus, à Popito, Caribe. Quel que soit citoyen haïtien qui vient conscience, ou pas d'accord pour nèg qui gaspille comme ça, qui te cas utile pays, pour nèg ça, pour t'a répondre de ça, que par devant la justice. Cependant, dans la façon dont il a évolué là, au sens que vraiment vrai, les fondamentalement politique. Mais même pour question d'éthique, bon ensemble de monde qui n'a pas de mener tête dans le rapport. Parce que l'on a vraiment vrai, comment faire rapport à limiter avec seulement M. Matéli, les bagailles privées, côté Patrick Norami. Mais dernier, ça se fait tout gargote ça là, c'est Patrick Norame. Alors que dépouvine avec Patrick Norame, immédiatement traîné derrière M. Nenel Kassi. En vertu du principe, qui ne dit rien consent, c'est pour Nenel Kassi, mais c'est non dans rapport à pas besoin bon si Nenel Kassi pas gagne non là-dedans. Parce que c'est pas seulement mon cap distribuer cop parce que c'est directeur, mais mon cap recevoir cop non. Maintenant, tout lui fait partie mon qui dilapide l'argent, tout. Nenel Kassi met article là devant la rana, biom c'est 37 millions de gouttes, les gènes à mes gènes à Beto Caribel, gènes ça sorti. Nous rapport fol bon pour le bon, fol gen Nenel Kassi la dan, fol gen non Pierre Espérance la dan tout. Tout le monde qui prend yo, le abgade maintenant dans type là, la fois dernière, côté que Yuri la tout dit, lui-même en tant que président, il a tap mette la mort sous pied, il a installé le ou te fait ou de gonaïf. Tout le monde qui attendait, tête là. Et lui-même, tout son contrat qui est même, c'était rapport Petro Caribel, tout. Donc, pour moi-même, c'est une grosse ambition de mesurer et d'être président qui l'a caille, monsieur. Il y a un accrasé l'autre. Cependant, mais monsieur, eux-mêmes, défilé à faire dans la presse, c'est normal, il faut défendre tête, mais en attendant que le couche de compte réagit, parce que c'est l'instance qui est sur habilité et à intervenir en la matière. Donc moi-même, m'attends un rapport qu'on suit avec moi, pour les pingles, les mounes, pour les pingles. En attendant que pour les tirer trop politique dans le bagage, parce que le pays a ta besoin qu'on est ça, c'est pas fait. Nous étions nous dit de parler de $1.50. Moi-même, aussi longtemps qu'il y a payé $1.50, c'est pour éducation, même si on te monté le $3, m'a baillé. Depuis qu'on a justifié, monsieur la relation d'abord est montée, privé lui-même d'être dit, de la secrétaire son crime d'étalé. Tout n'est qu'elle a supporté, en particulier, gros scission. Mais on a fait une transition là, pour qu'il n'y ait pas de retirer. Là, ici, d'après, comme voyage, il monte, pour qu'il n'y ait pas de retirer. Il n'y a pas de demander à ce côté, comme ça a passé. C'est ça, je ne comprends pas. La relation d'abord est corrigée, tout le monde, mon rapport, et Paul Denis, a été fait. Ou pas, que j'entende vous parler. Bien, dit, friends, from Valor, vous avez parlé. Mais moi, je paye ça en pays, vraiment. Merci un peu. Merci un peu. Merci un peu. Effectivement, et c'est globalement ce qu'on a situation à présenter. C'est plus approche politicienne qui fait de questions, qui fait que la justice pour qu'elle prenne pied pour épingler tout le monde net qui est impliqué, quel que soit courant politique, quel que soit couleur politique. Et c'est ça, pays Abtan. Pays Abtan, vraiment, qui est-ce qui est impliqué? Qui est-ce qui fait qui ça? Qui est-ce qui t'est mal joué un contrat? Qui est-ce qui t'est mal dépensé l'argent? L'État, quel que soit couleur politique, li, pour la justice, c'est vie contre lui. Mais c'est pas comme si on va cibler, si il moun pam li pas là-dedans, si il l'autre là-dedans. Et pays a tant réalité, vérité sous question, ça. C'est ça fondamental. 4614, allô, bonjour. Oui, bonjour. Nous saluons. Mon cher, on a tant d'osolina, et c'est dans presque même sens, ça, d'avoir abordé. Parce que, on rapport, et d'audit, c'est un bon bail lié.
dans le processus de transparence dans le pays. Et il faut qu'on ait que l'on comme dans mon abjéré, il faut faire un rapport sur lui. Quel que soit le monde, il faut faire un rapport. Et normalement, le seul bagage que je vais aimer, c'est que c'est tout fonds de Caraïbe à tout pour auditer et pour regarder tout le monde qui a utilisé fonds ça, qui sortait ça avec Cobla, il faut venir faire un rapport. Il y a un pile ancien rapport qui est dans le tiroir. Il faut que vous tirez un rapport ça, parce que par exemple, il y a une décision qui est prise sur vous. Parce que je pour le monde, c'est Cobla qui a utilisé. Et que ou yo baoul pou fon bagay avec li faut bagay rapport sur l'argent et son bagay normal lié son processus normal lié c'est ça que ça me t'a dit moi remercie tout le monde et puis moi remercie et animateur m'a salué auditeur tout donc on pense que on rapport bagay normal de pour gagner l'argent l'état dans mon tab gérer faut bagay rapport sur lui. C'est ça, merci un peu. Merci un peu Kambe là. Et n'avancé Julien Virgile et 305 allô bonjour. Alors bonjour, moi salut France. Salut. Salut toutes fanatiques qui allaient faire mieux, spécialement pour son équipe toujours émettante, même les parfois non des désaccords, mais cependant, il faut respecter la façon où mener l'émission. Parce que même si on n'est pas d'accord, il faut accepter avec elle ou tenter de partager ensemble avec elle. France, moi, je suis d'accord. Moi-même, personnellement, je ne dis pas qu'à comprendre, c'est dans la radio, débat à fait pour un monde qui est accusé. Moi, tout le monde, c'est la radio qui prend pour faire débat et puis les fanatiques qui ont pris les cap de fans. C'est comme Tim Dado, c'est ma fille, pas qu'on l'a jamais perdu. Moi, je n'ai pas affaire comme si les CEOs ont des tendances, ils ont fait des bagailles politiques, on comprend. Mais tout le pays qu'on est, qu'on l'argent qui dépensait, l'argent, il y a plus pour devenir riche dans le pays, il n'y a pas qu'on peut s'en passer. C'est ça qui est important. Débat qui s'en est, c'est pour un débat. Comme Tim Dado, il y a des beaux plans, Nenel Kassi, il y a des... Non, ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important pour faire haïtien. Ni mon cap à l'étranger, ni mon cap en Haïti, bon l'argent qui gagote, il faut baisser contre côté le passé. Je dis à mon qui savait pour le faire. Si c'est menti, c'est la fait au fait, mon atteint la justice réelle, pour aller la justice, pour le dire, mais côté n'a pas menti. Mais ce n'est pas radio, moi, pour t'acheter radio, moi, ça marche dit, et ce bagage politique. Mais le pays va marcher comme ça. Mais si la radio ça au moins fait ça là, c'est très méchant. Au pays, parce que mon pauvre, ça la marché, mon pas qu'à vivre, mes amis, pour que tout le monde ça, et puis qu'on y a radio, mais ma marché fait par l'empile, dit qu'on ça oui, ou c'est bagaille politique. Mais moi-même, vraiment, pas comprendre. Parce que, et pour mon préparer papier, pour y aller la justice, pour y aller défendre, c'est ça pour faire, c'est pas venir dans la radio, marcher dans tout le radio, qu'on y a moins qu'il y a un dit, ça marche dans la radio. C'est pas bon. On lui dit le pat là. Pour qui s'inquiète les mêmes lèvres, c'est le venant parlement, il y a majorité comme la mode dit. Oh, déjà qu'on est là, papa, pas l'autre côté. Vous comprenez? Mais si il y a majorité, les têtes là, il venait parlement, il y a des gens qui mettent moun ça. Pour qui ça le pat demander pour voter pour l'autre résolution, pour mettre plus moun qui paguent même tendance avant la boîte qui fait. Qui a fait le temps de rapport sorti? Il y a des gens qui ont l'argent pour rapport ça, et puis c'est aujourd'hui, il y a les rapports sortis pour y aller dans le débat pour dire peuple là. Si mon n'y a attention par temps, et puis c'est un gars qui marche dans toute radio pour la dire à pas bon. Mais frère, mon cher, moi-même, je dis à qui sont capables. Parce que façon mon n'y a fait politique dans le pays là, moi-même, mon sa yo qui prime aller, je vais continuer à le Chili, continuer dans l'autre pays, à le prendre humiliation, à le faire bête manger parce que le pays ça pas compris côté le bras. Merci beaucoup, frère. À la prochaine. Merci. Dans l'émission, on a avancé. Est-ce que nous avons mis sous 305 là, et 305, allô? Bonjour. Un salut. Oui. Bon, moi-même, sur la poste, je dis, non, là, je ne veux plus. Pas prendre vrai monde qui volait l'argent, l'État ici. Et ensuite, le président Chavez n'a pas doué remettre comme ça. Parce qu'il a tellement bien volé, il était doué superviser le projet que nous avons gagné. Cap n'a pas le fait pour payer. Son brigandage. Un pays totalement volé, puisque ils sont armes nationales. Ouais. Ils ont, et Sanel Lucas, bah, réponse à, pour, bah, ça. Correct, ça le dit. C'est que, on va en faire pour pas, les vrais monde qui volent l'argent. C'est ça, lié. Ok? Merci un peu pour votre participation dans l'émission. Alors, merci un peu John qui fait un dernier chiffre
et sous quantité d'argent qui était engagé dans Petro-Caribé sous base diverses résolutions qui t'a adopté sous président Préval et sous président Matéli, sous président Jocelyn Privert, ainsi en pile total là c'est 1,738,691,909.71 dollars dépensés. Donc c'est pas 3-4 milliards j'en ai que politique à dire, c'est 1,738,691,909.71 dollars américains. Mais ça fondamental, même si c'est ton dollar, faut que nous payions, on est qui j'en ai dépensé, est-ce qu'il était bien dépensé, et s'il était mal dépensé, pour sanctionner tout le monde net qui est impliqué. C'est bon groupe, et puis qui ton lot. C'est pas comme si me fait le contour et puis moun pas me protéger l'autre là pour épingler. C'est tout le monde net pour aller regarder qui attitude, qui comportement ou te gagne dans dépenser l'argent avec bien l'État. Et puis le ça pour que c'est la justice, tête frette, qui tranche, c'est ça pays à attendre. C'est pas comme si, nèg ap utilise rapport, utilise enquête pour faire politique, nèg ap marche défendre, yop di yop pas fan rien, alors que tout le monde a un paquet de l'argent dépensé. Donc pays à rete sous soif, y a attendre, et ça que t'es passé, véritablement, avec l'argent ça. N'a pas un dernier ami, Julien, 305. 305, bonjour. Bonjour, France, comment nous y est? Eh bien, n'a bataille. Point, nous t'a posé une petite question, s'il vous plaît. M'pas voulu, faire ça, m'pas, dit bagaille, qui pas, est-ce que rapport commission Yuria tombé net, c'est l'autre rapport ça qui kembe, ou bien son rapport qui approfondit? Bon, il pas tombé, c'est pas sous le lit au bras le plancher, puisque ça que fait là, c'est suite rapport Yuria. Donc, à partir de rapport ça, rapport Yuria pratiquement pas existe encore. Il existe, c'est le cas servi base comme travail commission ça, mais c'est sous rapport commission ça, il va le discuter demain, c'est là. Il va le discuter. Ça veut dire, moi-même, ça me semble différent. Genre, tout le monde dit là, si on bagaille tout pays a d'accord sous lui, peut-être tel monde qui peut expliquer gâcher l'argent, c'est l'argent gaspillé. Franck, moi-même, ça me comprend. Lorsqu'il a parlé de épingler le monde, mais moi, tout gouvernement qui est censé dépenser l'argent, yo, sauf le gouvernement privé, là, tout le monde, yo épingle tout ce qui est sous matériel, sous matériel. Sauf que nous commençons à travailler en commission, étant sous gouvernement. Il était là-dedans, en 2016. C'est Privé qui était président en 2016. Il était là-dedans. Commission a choisi Bafel. Ok. Faut dire ça. Quand il y a là, moi-même, ça me fait différent. Là, mon problème, si n'y a pas épinglé le gouvernement privé. Mais l'autre bagage, il me fait différent. L'autre, moi, il a cité, non, comme si on pas dit, il y a bien, oui, il y a l'autre, il pas mettre le ministre tel. Mais, nous, t'entends des négats, explications, il n'y a pas vraiment épingler le premier ministre, le gouvernement, c'est le ministre planification, n'est-ce qui était premier ministre, qui était après, qui était dans la planification. C'est n'est-ce pas au plus grand. Et l'on regarde les fonds, c'est pas qui est important pour nous regarder. Comment vous, si pas qu'on va qui est intéressé, pour qui ça, on est obligé premier ministre pour faire un bon job, qui est important pour la planification. Au moins, ça veut dire, il faut aller au conscient, monsieur. C'est pas le premier ministre qui pression qu'on y a, parce que vous avez défendu en tant que premier ministre, mais vous n'avez pas épinglé comme premier ministre. C'est comme le monde qui a géré planification et tout projet, au point que nous connaissons très bien, c'est notre planification bagaille au passé. Non, planification ouais. Fondamentale. Merci un pile. Planification importante. Nous avons l'autre ami sur 4614. Allô, bonjour. Allô? Allô? Bonjour, bienvenue. Bonjour, moi salue au France, moi salue tout auditeur, auditrice Radio Signal. But, étant donné que le rapport est publié, moun et nous que tout a dit que ce n'est pas vrai, but, moi pense que si moun yo décide pour faire pays, il faut que le rapport n'en parle dans ce côté. Et moi que tout que le pays a besoin qu'on ait, qui Jean Cobla a dépensé. But, moi que faire dans. On pense côté que y a épinglé ces bagages politiques que y a réglé parce qu'on croit que pays a les besoins qu'on ait comment qu'on l'a dépensé et n'a pas un rapport qui pas de force côté. Merci un pile, voilà, merci un pile tout le monde qui t'est relé, qui t'est placé moyo, c'est important parce que pays a véritablement attendre. Pour zami qui dit et qui t'a parlé du gouvernement privé, la résolution a été adoptée 28 septembre 2016, c'est Enex Jean-Charles qui était premier ministre.
yo te prévoit yo te but montant que te budgétisé là en résolution ça c'est 33,268,729 $. C'est ça que t'es budgétisé, mais tout pas de dépenser. Montant que t'es décaissé, comme qui décaissé, c'est que t'es 15,984,874.63 $. Donc, 15 millions t'es dépensé sous privé dans Petro-Caribé qui t'es 2016. Et donc, si que nous devons arriver à un rapport qui est correct, que le pays a doué qu'on ait tout le monde net qui est impliqué, faut que tout ordonateur qui était impliqué dans la gestion et fonds ça yo yo passé au pain fin pour payer à connait véritablement qui est-ce qui était bien géré qui est-ce qui pas bien géré mais question comme si c'est groupe PAM m'a couvre pour lui c'est l'autre groupe là m'a découvrir pour lui a payer à fatigue ça merci en pile Julien Virgile t'a fait manœuvre technique moi même Francis Xantus t'es content entrer la caillou continuez rester branché signal bonjour bonsoir tout le monde.